ça c'est mon poulpe et je rajoute ma petite sauce tomate par dessus. Je vais rajouter grave parce que moi j'aime bien quand il peigne dans la sauce. Et ben vous savez quoi, ça n'a pas l'air appétissant comme ça le poulpe de base, mais si il est cuit préalablement dans l'eau, après grillé et vous rajoutez une petite sauce, incroyable. Je vais le découper en morceaux. J'ai rajouté de l'ail, des oignons, du basilic. Basilic. Donc, très bon. Toi, t'as découché l'eau. C'est une sauce tomate, quoi. On dirait des ravioles en boîte. N'importe quoi. Ah, bah moi, ta fille, c'est vraiment pas cuisiner. Mais qu'est-ce que tu écoutes ton fils? Il est là, quand il n'y a pas de sucre dans un truc, il dit il y a du sucre. Quand il y a un truc salé, il dit c'est salé. Alors... Ouais, mais vous, ils ont changé. C'est hard et c'est trop tomaté, là. Bah non, c'est une sauce tomate, c'est le principe d'une sauce tomate. Tu me dis quoi? Il va trop le seum. Le grand bon. Parce que ça coupe le côté fort de la pieuvre. Non, il y a beaucoup. Tu veux ça? Ouais. En plus, la pieuvre est bien moelleuse. Par contre, la peau elle est épaisse un peu. Attends là, de pinceau, il a fait des œuvres d'art. Hein. Ouais. Mais vu les gueules de ces œuvres d'art, c'est pas la mienne. Voilà. T'es pas encore exposé au Louvre. Qu'est-ce qu'il a de Daz? Filme ta tête. Ah, mais moi, je verrai sur ma gueule. Il faudrait. En plus, tu m'as fait faire des plis là en souriant, Bilal. Ah, la reine. Reine? La cour, elle vous attend. Chien. Il est où mon mascara, là? Ah, attends, il manque ce pinceau-là. Tiens. Non. Tiens, reine. Putain, il est où mon mascara, là? Tiens. Faudra m'expliquer. Hein. Pourquoi vous mettez trop de temps comme ça? Quoi? Quoi? Dis à ta fille là. Il est malade lui hein. Pourquoi vous ouvrez la bouche comme ça? Arrête Bilal, je suis en train d'en mettre partout. Regardez. Regardez. Oh, c'est pas normal. La beauté, c'est pourquoi, non, normal. Pourquoi il y a trop de produits comme ça et tu mets toujours les mêmes dans ta tête? C'est, je comprends pas. Pourquoi faire? Bon, petit taoutchit du jour. Regardez quand même, surveille là. Bon, les filles, ça c'est un haut de chez Shein. Un bas de chez Bershka. Moche. Très bien, ça fait très oversize. Donc, tu vas de chez Bershka avec une petite paire de Jordan et un petit gilet, on ne sait jamais si je me mange une carte au moule. Wow. Voilà. Waouh. On te félicite. Tu fais ton outfit, Zara.
Ah, et sa tête, il fait chier. Voilà. Il est fatigant. Comme un marche, comme un cheval, mon frère. C'est ta tante, le cheval. De pouvoir faire les travaux dans l'appart. Parce qu'ils nous font galérer. Bilal, il est en découdre. Regardez-moi, Bilal, la terreur. Il a dit, je bouge pas du bureau tant que j'ai pas la promole. Et la peste. Il bouge un peu. La femme, mon frère. Je suis mort. On dirait une taf là-bas. La meuf a même dit wesh, ouais, sors du bureau. Il m'a dit non. J'aime beaucoup trop cette vue-là. Incroyable. J'aurais fait pas de la. Et c'est reparti pour un tour. Journée Bourbier n'est pas achevée. À la base, on était parti à la banque et on a trouvé Brain for Less. C'est une boutique qui est à côté de City Walk. Il y en a plein. À la City Walk. Et il y en a plein un peu partout. Et en fait, vous avez des marques, vraiment. Et vous avez aussi de la lingerie pour forte poitrine, chose qu'avant, je ne trouvais pas du tout. Vous avez plein de trucs, des robes et tout. Et franchement, à pas cher. Genre, vraiment, regardez. Genre, ça, c'est une combi portée. Elle est magnifique. Regardez la robe. Elle a combien la robe? 49 AED, les amis. 49 AED. Franchement, il y a des trucs vraiment pas chers. Et ça vaut le coup. Il y a plein de marques. Regardez, il y a même une salopette Adidas qui est à... attendez. Je vais faire le tarif. Hop, 115 AED. Donc, c'est vraiment pas cher. Il y a plein de petits trucs. Oh, regardez-moi cette combinaison. Regardez ce pyjama. J'aime trop, d'ailleurs, j'en ai pris un. Il est à 55 dirhams et il est super doux. J'aime trop. Donc là, comme vous l'avez vu, c'est la petite pause graille chez Bosnia. Et franchement, c'est trop trop bon. Moi, j'aime trop. C'est des genres de boulettes de kefta grillées comme je viens de vous montrer. C'est genre délicieux. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est méchoui. Et franchement, c'est trop bon. Et même leur petite sauce et tout. Ils font des sandwichs ou sinon des grands steaks. Moi, je préfère les boulettes personnellement. La soupe, franchement, on vient de la goûter. Elle est super bonne. Donc, avec une petite terrasse cool et tout. Franchement, c'est agréable. Eh bien, ma chérie, continue. On est ensemble. Et vraiment, vraiment, vous êtes votre source de motivation. Et ne laissez personne se mettre en travers de vos objectifs. C'est la seule chose que j'ai à vous dire. Mmh, incroyable, cette sauce, elle est incroyable. C'est archi bon. Moi, j'aime trop. À la base, vous devez faire un sandwich. Vous mettez votre sauce là. Il est grave chaud, là, vous voyez ou quoi? Vous mettez votre sauce à l'intérieur. Il y a de l'oignon. Vous mettez votre sauce, vos oignons et vos boulettes. Et c'est archi bon. Et moi, je préfère les manger comme ça. Arrête de mettre tes doigts dans mon assiette, wesh! C'est dégueulasse. Alors, faut de ma rien, j'ai. Non, je vais pas dire, prends pas. Mais mets ses doigts. Mais alors? Ah, toujours à défendre son fils, celle-là. Mais alors? Incroyable. Donc, tu peux traiter le doigt, mais tu as un. Le champignon en arrivé. Bah non. Bah non. Arrête de mettre de l'oignon, maman, c'est trop, non? J'ai pas mis. J'ai mis la mayonnaise. C'est délicieux. Franchement, ils sont bons. Mais ils sont meilleurs ici qu'au Global Village. Bah, le Global Village, il est brûle trop.
J'aime trop le jus. Mais il manque un peu une sauce épicée. Je lui ai dit, est-ce que t'as de la rissa? Elle m'a dit non, on a que des en foudre. Toi, ouais, t'aimes bien, maman? Attends. T'as pas mangé les boulettes? J'ai mangé des chops. Un arsay bourrouze avec. Tiens, bébé. Non, non, c'est bon. Merci, maman. Ah, avec la cuillère que tu me prends là dans la sauce à maman. Onctueux. Et c'est parti, on continue à la recherche des lustres. Vraiment des journées chargées en ce moment. La vérité, les amis, j'ai déjà reçu ce genre de message. Vous me disiez d'aller voir Illustra, même le soir où elle s'est mise à pleurer. Je lui ai envoyé un message, elle n'a jamais répondu. Donc je peux rien faire de plus. Vraiment, 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 je peux rien faire de plus. J'ai essayé de la contacter pour aller lui faire changer les idées parce que comme vous le savez, moi, très bien, les divorces, ça me connaît. Je me suis relevée beaucoup de fois et je me suis dit, bon, bah, je pourrais aller changer les idées et peut-être la conseiller pour se changer les idées et passer à autre. En plus, il faut savoir un truc, les amis, c'est que à chaque fois que je vois une influenceuse ou quelqu'un de vraiment pas bien, moi, je fais pas partie des gens qui font du scandale sur les réseaux sociaux ou qui met la photo de la personne en fin de story pour pouvoir profiter de ce buzz. Je suis quelqu'un qui agit en privé, donc j'avais déjà envoyé un message dès que vous m'avez alerté. Et puis voilà, et là vraiment j'ai répondu parce que je sais que je reçois énormément de messages et sachez que je lui ai déjà envoyé un message et puis voilà, enfin. Mais moi j'agis plutôt en privé, quand quelqu'un ne va pas, je lui envoie, quand quelqu'un ne va pas bien, je lui envoie directement un message en privé et je discute avec la personne et j'essaie de la réconforter un maximum parce que il ne faut pas oublier que la vie n'est pas les réseaux sociaux et moi j'ai déjà été dans le mal plusieurs fois et des fois j'aurais bien aimé que certaines personnes viennent me parler sincèrement au lieu de venir me parler pour avoir des informations ou être le premier à dire ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà. Côté cocooning de mon salon, j'aime beaucoup trop. Bon, je vais varier un petit truc. Je vais aller me doucher, me changer, tout ça. Je vais manger d'abord. La vérité, j'ai lâché ma mère et mon frère. Ils sont partis encore à voir des abayas, mais je suis plus la force, moi je suis KO. Eux, je sais pas à quoi ils tournent, voilà, le café ça leur va. Bilal il boit du café glacé, ma mère du café normal. La vie de ma mère, ils sont jamais fatigués, mais jamais. Genre, c'est une dinguerie. Alors moi j'aurais dit, écoutez, moi je rentre à la maison, j'ai trop mal à la tête, je suis épuisée. Donc là, t'as capté, on va allumer la télé. Je fais graille. Je vais mettre un petit film que j'ai démarré ou au moins une série. Et après, je vais aller à la douche. Bon, j'ai mangé un grec de Dubaï. Ça fait longtemps que j'ai pas tapé un vrai grec de France. Bon, tu dis bien, tu dis la base. Ma passion, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé d'harissa. J'aime trop l'harissa. Ma passion. Tu sais comment ça mange une vraie ziente? Je vais te montrer. Ah là là. Les peintures qui me manquent quand même. Le Brésil, t'as fait ça. T'as capté. Comme ça. Alors, ça, c'est tout de même. Incroyable. Incroyable, incroyable. Trop comme ça. Un orgasme culinaire. Non, elle me prend la rue. T'as vu, j'en suis sûre, tu regardes ce snap.
Le premier grec en bas chez toi, tu vas t'arrêter. Est-ce que tu penses que là, il y a assez d'harissa? Incroyable. Incroyable. Je regarde tellement les vidéos de Drive que maintenant je le fais. C'est de la frappe. Incroyable. Incroyable. Voilà, c'est trop grave. Vous pensez vraiment que j'ai une jambe qui fait 65 kilos? Vous êtes des malades. Il n'y a pas à être de mauvaise foi comme ça. Patch posé, produit des cils pour la pousse posé, déodorant posé. Ça, on est top là. Ah. Du parfum pour le corps. Where is my sweet litchi? Un peu de musc intime, j'aime trop ces odeurs. J'ai pas de code, hein, désolé. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont bons. J'ai l'impression d'être un bonbon avec ce truc-là. Hop, musc intime. Vas-y. J'en mets partout, moi. Ça reste trop longtemps en plus. Ça, c'est bon. Je vais faire mes cheveux. Mais avant de faire mes cheveux, ça, je les ai oubliés ce matin. Mais c'est pas grave. Je peux les prendre le soir. C'est pareil. À partir du moment où je les oublie pas dans ma journée. Les seuls bonbecs que j'ai le droit, c'est des bonbons, mais en même temps un traitement. Donc autant mettre le plaisir et les faire cacheter ensemble.
Ça, c'est trop bien. On va aller mes bonbons parce que faire ça et ça en même temps, c'est pas bon. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, mais... Des ongles et des mains. Enfin, des ongles et des cheveux. Faites. D'ailleurs, je vais vous demander votre avis là-dedans. La story juste qui suit, les filles. Commentez. Et dites-moi vos réels avis que je vais partager sur ce produit-là que moi, personnellement, j'adore et qui fonctionne de ouf. Surtout sur les cheveux et les ongles. À la base, c'est fait pour ça, mais les ongles, vraiment, j'ai vu la différence. Et les cheveux, je vous ai montré, j'ai plein, plein, plein de petites repousses. Genre, dans ma vie, j'ai jamais eu ces baby hair jusque-là, moi. Vous avez capté? Et vous vous rappelez avant, genre, j'avais ici qui était quand même un peu vide. Et ben là, il n'y a plus du tout. C'est trop bien. Ça fait longtemps maintenant que j'ai utilisé ça. Mycara, je sais pas si vous connaissez. Bref, je vous en parle tout de suite.